bien salut à toi YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact pour continuer et pour finir l'événement richesse perdue, voilà, avec la, où est-ce qu'il faut qu'on récupère la petite fée. Il reste encore 11 jours, mais vous, il va rester genre 9 jours, 9 ou 8 jours quand ça sortira. Bon, c'est, on est large quand même. Du coup, cette fois 6ème zone, et la 6ème zone se trouve au bois d'Apan. Voilà, du coup, si on fait flèche de bas, ça en fait la carte, voilà, le bois d'Apan est ici. Voilà, pas très compliqué à trouver, tout en bas à gauche de la carte, tout en bas j'abuse un peu, mais voilà. Du coup, attends, faut peut-être que je prenne la fée en main, en vrai, ça serait peut-être mieux. Ok, c'est bon, nickel. Du coup, on a activé la fée, faut déjà commencer à aller vers par là. Après, je sais pas, non, ça a l'air d'être, non, c'est à notre hauteur, voilà, c'est cool. Ça, ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de petites étoiles. Après, faut les... je crois qu'il y en a pas mal qu'il faut activer. Mais, il y a quand même pas mal de petites étoiles, où ce qu'on peut, se... des reflets d'étoiles, hein. Où est-ce qu'on peut quand même... Oh, c'est quoi ça? Ah oui, chouette. Où est-ce qu'on peut, on peut se téléporter, on va dire ça comme ça. On peut s'y déplacer. Et plutôt facilement. Attends, lui, il est où? Je pense qu'il va pas être trop caché non plus. Là, il y a une maison d'Aranara, on s'en fiche. Bah non, on s'en fiche parce que c'est devant. Oh, salut, toi. Si je te parle, tu rentres dans, dans le pays. Ok, bah attends, je te donne ce que tu veux. Putain, il a voulu une grosse fleur, hein. Ah ouais, la fleur qu'il veut. Bah excuse-moi mec, bah je te la donne, mais heureusement que je suis riche, hein. Ouais, ok, vas-y, rentre à Varanara, à Vanarama. C'est compliqué. Voilà, il est rentré chez lui, on a une autre petite récompense. On connaît une première pelle là-bas. C'est cool qu'en même temps il y aura un bonbon sur le chemin. On va prendre le seau, on va prendre un petit coup de Shinobu. Comme ça au moins on aura un seau amélioré. Je suis peut-être sauté un peu tôt là. Attends. Où est le bonbon? Ok, il est là. On prend les deux en même temps. Ah là, oh, il y aurait de la musique à faire. Attendez, non, on va pas faire ça là maintenant. Juste me le mettre sur la carte pour que je revienne. Mais on a de la musique à faire ici pour la Ranara pour qu'il rentre. Voilà, on a pris ça. Le prochain bonbon, il est là en dessous. C'est cool qu'en fait, sur le chemin de l'appel, et ben on a tout ça et c'est cool. Moi j'adore. Je valide. Attention, champignon, ça fait mal un peu. Attends, l'autre fée, elle est censée être à notre hauteur. Dit-il. Quelque part là. Où est la fée? Ah, elle est là. Oh, un peu cachée dans le bleu et tout. Elle se camoufle. Ok, du coup, on a deux pelles. On a une fée, vers où est-ce qu'on est? Il y a une fée là. Putain, on fait le. Les fées, ça monte vite, hein. Attends, on va faire ça en même temps. De toute façon, c'est le dernier épisode, on peut se lâcher un peu, ça va. Bah, épisode, ouais, on va dire ça comme ça. Dernière vidéo sur le sujet. On prend ça. Et c'est le dernier normalement. Un coffre à spawn quelque part. Bah sur moi en plus, nickel. Oh. Bon, il y a des trucs qui sont tombés par terre, mais c'est pas grave. Je récupérerai plus tard. Ok, du coup là il y a un autre bonbon. Attends, il y a un autre bonbon à notre hauteur, apparemment. Ah, où est le bonbon? Oui, je sais que c'est une particule, mais comme c'est un logo de bonbon sur la carte, je trouve. J'appelle ça un bonbon. C'est moi. Ok, il est en dessous. Il est si bas que ça. Ok, bah ça a l'air d'être celui-ci. Non, on fait tout en même temps là, trop bien. Attends, on va vite récupérer celui-ci, du coup on aura direct les 4 pelles. On pas besoin de prendre le saut, hein. Je crois qu'on a compris. Et voilà. Du coup, on a... En plus, regarde, les pelles à suivre. Avec au-dessus de la pelle, on aura juste à prendre une petite, un petit reflet d'étoile. À partir de ça, c'est un... Non, du moins que c'est juste un combat, nickel, merci. Ça marrant que ce soit un combat maintenant. Que si ça aurait tué un truc genre un contre la montre, on va dire ça comme ça. Parce que pour récupérer le particule, il aura fallu courir, aller loin et revenir. C'est pas ouf. Oh là là, vas-y. Chiant le truc. Voilà, dégage toi là. Le truc cryo. On fait pas trop de dégâts à elle, mais bon. C'est suffisant. Mais ça bouge, elle soigne les particules. Allez, donne les particules. Merci. Il n'y a plus que ça. Et les deux dernières qui sont là. Ah non, il y en a une autre quelque part. Mais attends, il y a trop. Voilà. Un peu trop d'éléments à l'écran. Voilà, ça c'est bon. Oh, cette fois ça a donné quelque chose. En plus des sapec, des gemmes. C'est nouveau ça, non? Attends juste, je regarde, je peux pas récupérer. Voilà, les articles que j'ai fait tomber tout à l'heure. Vous voyez, du 2 en 1. Je peux toujours récupérer ce qu'on a fait tomber. Voilà, du coup, attends, là on va remonter. Ça c'est un peu haut. Attends, il y avait celui qui était là-bas. Après, il y avait le champion aussi qu'on va pouvoir prendre. Oui, je sais, là je pourrais que. Bon, écoutez. Non, mais attends, téléporte-toi et boum, bam. Voilà, rebond, sursaute. La pelle, elle est si haute que ça.
Bon, ça, la musique, on s'en fiche un peu. Voilà, on va aller par là. Ok, l'appel est là. L'appel. L'appel de Sapek. Ok, dis-moi que c'est du combat. Oui, si, je pense pas que ça soit du. Ah, si. Ah non, voilà, je me disais aussi. Dans un sens aussi restreint, faire un contre-la-montre. Ouais, ça va plus, quoi. Bon, tu t'envoles avec les reflets d'étoiles, mais. Ouais, tu dégages. Ok, merci. Alors, attends, petit coup, petit R2. La glace est boostée, et boum, c'est fini. Oh, presque. Ok, c'est censé être le dernier, je pense, non? Il va rester un truc. Ah non, c'est bon. Pas mal. On déterre. Putain, il donne des primos. Mais ça donnait des primos ou pas avant? Putain, j'ai aucun souvenir que ça donnait des primos avant, quoi. J'en ai vraiment aucun de souvenir de ça. Oh, attends, je peux pas m'envoler, là? Y a pas une étoile pour s'envoler? Oh, vas-y. Ah, si, là-bas. Attendez, on va l'atteindre. Vas-y, on fait du triple vol. Bon, ça, après, j'ai la chance d'avoir la force de Kazuha avec moi. J'allais l'appeler Hayato, hein. Mais non, Hayato, non. Merci. Alors, on grimpe ça. Bon, on fait ça ensemble. Oui, ça pourrait être cuté. Oui, ça serait peut-être mieux si c'est cuté. Mais écoutez. C'est moi être chiant. Et téléporte-toi. Comme ça, moi, je suis sûr que ça sautera bien dessus. MDR. Mais allez! Oui, on dirait un handicapé qui joue, ouais. Je sais, je sais. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Je ressens déjà assez comme ça au quotidien. Laissez-moi, s'il vous plaît. Ok, du coup, chasse à l'énergie. Tac. Celui-ci. On va où? On va en bas. Ah, on s'envole là-dedans, du coup, il y aura l'énergie au-dessus. Attends. Ah, yes. Attendez. Non, 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 pas encore. Attends, oh, oh, oh. Je voulais être sûr de pas tomber. Moi j'ai peur. Ok, moi j'ai peur de la chute. J'ai pas le vertige, mais j'ai quand même peur. Ouais. Et. Oh non. Ouais. Non. Ah si, c'est fini. Youpi. Le coffre il est où? Où est-ce que le défi il a commencé? Is ok. Bah on va pouvoir finir ce petit événement. On va, je pense qu'on va devoir aller reparler à. Comment il s'appelait? J'ai envie de l'appeler Tanger, mais c'est pas Tanger parce que Tanger c'était le père du gamin dans l'autre truc. Genre, faut pas qu'on aille reparler à l'autre. Genre là, on a fini, c'est fini. Ça me paraît un peu facile. Ouais, hey, j'espère que ça sera pas une. Ah oui, c'est peut-être. Ah bah, on va faire ça maintenant. J'ai pris avant le screen, mais c'est pas grave. J'espère qu'ils vont pas faire un. Ouais, faudra. Bon, on va aller lui parler maintenant. Mais j'espère qu'ils vont pas. Genre qu'ils vont pas attendre genre les derniers jours de l'événement. Allez parler au gars pour finir la mission, j'espère. Hein. Parce que ça. À Ullman pour finir. Parce que bon, ça c'est bon à chaque fois qu'ils nous disent ça quand l'event est fini ou que quand toutes les vidéos sont faites. C'est bon, hein. A chaque fois j'essaie de les incorporer dans les vidéos parce que je ferai un peu de temps à sortir. Mais là j'ai un peu d'avance. Vous inquiétez pas que je vais pas refaire une vidéo 30 secondes parce que ouais, faut parler à Ullman. Hein. C'est bon. Apparemment c'est dur. Ah oui, on se transforme en voyageur. Oh, c'est dur à tout charger! Ah, je vous laisse à l'écran pour vous montrer la beauté de mon jeu. Ah! Ah ouais, non, bah y'a pas de. Bah écoute, bon, on va tout acheter. Du coup, moi j'attends la fin avec vous pour tout acheter. Du coup, c'est bien, ça me fait un peu de stock. Je me rappelle, ça, c'est pas tant que ça, mais bon, voilà. Mais moi je pense que je vais prendre la fée foncée, hein. Moi je pense que je vais prendre la fée foncée. Après, il y a la verte, mais. Voilà. Et ben voilà, YouTube, du coup, ben, on en a fini avec ce petit événement. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai trouvé cool. En vrai, ça fait une. Comment on appelle ça? Une phase par jour, une zone par jour. Ça se fait super rapidement. Là, c'est quoi? On a fait ça en. Ouais, en moins de 10 minutes, quoi. Du coup, c'est vraiment cool. Même des fois, il y a des vidéos, je crois, qui a duré genre 5 minutes. Du coup. C'est vraiment correct. C'est sympa à faire. Ils ont bien amélioré l'événement. C'est moins chiant qu'avant. Enfin, ça fallait s'approcher, ça faisait bip 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 dans une zone trop grande. Où est-ce qu'il fallait faire 3 fois le tour de la zone. Ou est-ce que du coup, genre, fallait bien être précis et tout machin. C'était un peu chiant. En plus, des fois, genre, t'avais des mobs sur le chemin. Voilà, alors que là, c'est juste. Tu vas où est-ce que ça. Tu prends les bonbons.
Et ta soie, oh, plus puissant. Oh oui! J'ai récupéré. Voilà. Et ça, ça vous savez, c'est quoi YouTube? Ça, c'est. C'est ce que vous. Ça, c'est quand je suis en live sur Twitch. Bah oui, voilà. Non, mais le jeu me. Non, mais tout simplement. Mais oui, je suis content. Enfin, ils sont là. J'y attendais un peu en vrai. Voilà, c'est quand. Ici, on a le programme partenaire, on va dire ça comme ça. Bon, en gros, quand je faisais mes lives, et bah du coup, j'ai fait tellement d'heures de live, on va dire, sur Twitch, bah, quand c'était avec l'événement de la pomme dorée, et je crois que actuellement, c'est ce que je suis en train de faire. Mais je suis pas sûr que ça l'ait pris en compte. J'espère que ça l'a pris en compte, j'espère vraiment. Mais je suis vraiment pas sûr. Normalement, ça m'avait dit que c'était bon. Mais j'ai un doute, et du coup, comme j'ai beaucoup live, et bah du coup, bah, j'ai gagné 800 primos. Voilà, et ça, c'est du temps de live que vous ratez YouTube. Bah non, en vrai, vous le ratez pas parce que c'est ce que je fais en vidéo. Mais des fois, il y a des trucs que je fais pas spécialement. Mais bon, comment je fais toutes les quêtes en vidéo, voilà. Mais du coup, si jamais ça vous intéresserait de venir me suivre en live sur Twitch, bah le lien est en description, voilà. Si jamais ça vous intéresserait, comme ça on pourra papoter. Des fois, quand on fait ça pendant les quêtes, ça j'aime bien. C'est bah pendant les lives, genre, c'est tellement enrichissant. Genre, c'est tellement. À chaque fois qu'il y a des gens sur les lives, franchement, c'est toujours très cool. Voilà, mais bah voilà. Ouais, du coup l'événement était cool, moi j'ai bien aimé. Et puis voilà, en vrai c'était un bon rerun d'événement, c'était super bien. J'espère que ça, bah, je pense que ça reviendra pour une fée rouge. En soi, il n'y a pas vraiment la fée cryo, même s'il y a une fée bleue, mais c'est une fée bleue classique, genre il n'y a pas vraiment d'éléments. Ça... Ouais, c'est peut-être une fée d'eau, voilà. C'est une fée d'eau, mais pas une fée cryo, du coup il y aura une fée cryo. Du coup, je pense pas que la dendro je la prendrai à part si au bout d'un moment on pourra prendre toutes les fées. Mais je sais pas, la dendro, peut-être qu'après je me rendrai compte qu'elle est bien, mais j'ai pas l'impression qu'elle match avec tant de choses que ça. Après, je vais me dire, la dendro vient d'arriver. Mais en quoi ça serait du dendro foncé, je serais en mode. Bon, d'accord, si tu veux. Mais comme c'est du dendro pas foncé, bah genre. En fait, ça fait un peu comme la fée de base toute bleue. Elle est bien, elle est belle. Tu peux pas dire qu'elle est moche. Mais elle fait trop basique, elle fait trop classique. Et moi, je suis un connard qui aime pas être trop basique. Bon, j'abuse. Pas partout, mais en général, je préfère éviter. Et voilà, elle est bien, hein, mais elle fait un peu trop. Voilà. Mais en plus, ça sac qu'on a pendant l'événement et tout. Bon, moi, du coup, j'ai celle-là. Mais voilà, sinon, en vrai, c'est pas mal. Voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire. J'espère que vous aurez aimé. Ouais, du coup, j'espère que vous aurez aimé. Que l'outro est longue et dure, et je me perds dans ce que je dis, et je bégaye, c'est cool. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et ces événements, mais surtout cette vidéo. Voilà. Et du coup, bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le like et ou l'abonnement, ça ferait très plaisir. Le dislike. Là on va partir. Là, en live, par exemple, là, je vous dis, on va aller continuer une quête. Voilà, avec en plein courage. On va continuer un peu toutes nos quêtes et tout ce qu'il y a à faire sur la région. Ouais, du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le like ou l'abonnement, ça ferait très plaisir. Le dislike si vous n'avez pas aimé. Bah, comme je l'ai dit, je suis actuellement live sur Twitch quand je fais cette vidéo, donc si jamais vous voulez me suivre ou papoter avec moi, je joue ensemble ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, le lien est en description. Et si vous avez une suggestion, une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Me dire ce que vous avez pensé de l'événement, de la quête en général, de la vidéo en elle-même, que ce soit le montage, MDR, les petits cuts, mon commentaire ou les miniatures ou quoi. Si c'est quelque chose que vous trouvez pas ça ouf, pas très malin, que vous aimez pas, que vous trouvez. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que j'améliore ça. Pour les prochaines fois. Et si vous avez une question par rapport au jeu, que ce soit Genshin ou sur Sumeru ou pas, n'importe, n'hésitez pas, je vois comment commentaire est à votre disposition. Merci beaucoup de m'avoir suivi, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao tout le monde, plus plus.